Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien ou pas, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Oh, tu n'as rien. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche, en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolée, Poppy. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite dans le seul but de s'enrichir. Au fait, c'est quel type de créature un vivet? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyables. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Et où seraient cachés ces vivets, exactement? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix! On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. Voyager était incroyablement pénible. Rébellion. Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Hominis dans les catacombes, sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs.
et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrok. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque ? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation ? Il faut découvrir ce qu'ils fabriquent. Nous devrions les attaquer de front et nous débarrasser d'eux. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Après toi. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Personne ne doit entrer dans cette mine. Tu es tout ce qui essaie de passer. Confringo, Findo. Je me bats depuis bien avant. Tu ne peux pas nous arrêter. Confringo, la fuite. Confringo. Quelle performance pathétique. C'est Confringo. Quoi, tu sais. La fuite. Confringo. On se débrouille plutôt bien. On forme une bonne équipe. C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirais. On peut peut-être trouver un autre chemin plus loin. Une fête. C'est vrai. C'était relativement amusant. Pas autant, tu peux aller plus loin. C'est vrai, quand tu manges beaucoup, t'es ralenti. Alors que quand tu manges léger, t'es rapide. Mais qui tient tant à être rapide? Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Je ne m'arrête pas à Confringo. Cette mine ressemble à un tombeau.
Elle a été fermée après plusieurs accidents. Je comprends pourquoi maintenant. Rebellion. Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants. Même pour les araignées. Persuadé que ce qu'ils veulent se trouve ici. Rebellion. Confringo. Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée? Confringo. Rebellio. Wingardium Leviosa. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Rebellion. Confringo. Rebellion. Je savais pas, tu pouvais pas sauter si haut. C'est la première fois que ça m'arrive de mourir de haut. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Rébellion. Confringo. Ce pont a connu des jours meilleurs. Réparo. Rebellion. Confringo. Rebellion. No!
Revelio. Il y a une araignée de moins dans ce monde. Je vais mieux dormir ce soir. On les a éliminés rapidement. Le professeur Eckhart serait fier de nous. C'est vrai. Les fidèles de Ranrok ont, pour ainsi dire, déclaré la guerre. Confringo ! Confringo. Lumos. Revelio. Toujours aucun symbole runique en vue. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Revelio. Plutôt mal. Un nouveau combat nous attend. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Bombardable. Confringo.
contre Gryffondor n'avait pas le monopole du courage, tu sais. Rebellion. Confringo. Wingardium Leviosa. Confringo. Un symbole unique au-dessus de l'entrée de la grotte. Les fidèles de Ragnarok n'auraient jamais pensé à chercher ça. Je m'attendais pas à ça. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais... Rebellion. J'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Le monde est revenu troublé comme si je me trouvais en plein brouillard. Combien de temps ça s'est écoulé depuis que j'ai perdu connaissance? Je me souviens de ce... que ce dieu vide de sa tristesse, oui, mais aussi, je me rappelle aussi ressentir une certaine euphorie. En regardant la douleur s'évanouir. Et ensuite, le monde a commencé à tourner. En tombant, j'ai dû me cogner la tête. Je ne vois ni de sens, aucune main. Mais la douleur est vive. J'espère juste qu'il ne s'agit pas de peste noire. Au moins, je ne souffre plus. Revelio. Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera. Et... Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Regardons un peu par ici. Rapide. C'est donc le moment de vérité. Ça doit convenir. Rebellion. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrok a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grotalo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite... On devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrok. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc?
quelqu'un qui connaît Ranrok personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Tu ne sais pas ce que tu dis. Prends le temps de respirer. Oh, je sais très exactement ce que je dis. Je n'en reviens pas. Je crois que ma prochaine amélioration de balai sera encore plus impressionnante que la dernière. Je vous attends à vos balais dès que possible. J'avais jamais vu autant de... En route pour de nouvelles aventures ? J'ai entendu que quelqu'un avait dit... Vous revoilà ! Quel plaisir de vous voir ! Comme la dernière fois, vous bénéficierez d'un tarif spécial sur cette amélioration de balai. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé ? Vous me connaissez bien. J'y suis presque, je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrok et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois.
Je n'ai aucune inquiétude, Monsieur Wicks. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai hâte de vous revoir. Je pourrais peut-être tester la nouvelle amélioration en cours de route. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Et encore, t'as jamais goûté au ragoût de champignons de ma mère? Les champignons étaient aussi... Qu'est-ce que c'était? Tu as envie de mourir? Ah! Voilà une agréable surprise. Rébellion. Rebellion. Go! Keep in the...
élaborera un plan. Je me bats depuis bien avant ta naissance. Revelio. Un intrus! Cassius! Confringo! 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 Pitoyable! Elle fait trop facile! Confringo! Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir tué. Cassius! Confringo! Confringo! Ce n'est que pas grave, c'est impressionnant! Vous a tous trompé. Revelio. Réparo. Revelio. Réparo. Ça m'intrigue. Revelio. Wingardium Leviosa. Bombarda.
Revelio. Wingardium Leviosa, Bombarda. Revelio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Revelio. Je comprends pas. Bombarda. Tu as maintenant un fidèle de moins, Ranrock. Revelio. Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Malheureusement, le fait que cette boussole ancienne ait été perdue ici signifie que le Moldu a qui elle appartient, doit sûrement arrêter à travers le pays. C'est gars là qu'il est. Bon. Confringo.
Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Rebellion. Je ne veux pas travailler. Ah, il est là, le petit Chris. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. J'ai pillé un plan.
nous faudra plus de bois si on ne veut pas geler. Il semblerait que le sort s'acharne sur nous. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Bonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier ? Je sais que je m'emporte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté, ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, Griffon d'Or ? C'est trop dur. Génial. Oh, lisse. Qu'est-ce que c'est ? Il y a rien qui va. Ah, fuck. J'ai pas réussi.
Ce n'est pas ce que j'espérais. Tant pis. Tu vas devoir faire mieux que ça pour faire un meilleur temps que moi. Dans cette course, tout est une question de concentration. Ouais, je l'ai manqué, quoi. Chaque tour nécessite une décision. Prends-en une et respecte-la. Imelda Reyes, serais-tu en train de me donner des conseils ? Je ne dirais pas ça comme ça, non. On discute entre amis, c'est tout. Bon, tu veux retenter ta chance ? C'est d'accord. Merci, Imelda. Pas de problème. Vas-y. C'était impressionnant, sans vouloir me vanter. Et voilà. C'était assez incroyable. C'est la chance du beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. Est-ce que ton esprit de compétition te vient de ta famille ? On peut dire ça. Mon grand-père a joué au Quidditch au club de Flakmar. Et mon père, il était poursuiveur à Serpentard. Mais il a dû arrêter quand un sort lui a brisé les genoux. Il a dit que ça venait du batteur de Gryffondor. Et moi, je suis tombée amoureuse du vol la première fois que j'ai vu le sol disparaître sous mes pieds. On ressent une telle liberté sur un balai. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. Tu vas continuer à organiser ces épreuves ? Oui, et je vais y participer. Je ne veux pas perdre la main. Mais je m'occuperai pas des épreuves de vol. Tu peux y participer aussi ? Bref, j'espère qu'on pourra se refaire ça bientôt. Je parie que tu veux jouer dans une équipe. Mais laquelle ? Et à quel poste ? Je suis une poursuiveuse née. Comme mon père. Tu le saurais si Black n'avait pas interdit le Quidditch cette année. Quant à l'équipe, ce sont les harpies de Holyhead qui me font rêver. Une fois l'école finie, je tenterai de les rejoindre. Et si pour une raison ou une autre je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je ferai. De la botanique, peut-être ?
Parce que si jamais ça se passe comme ça, vous feriez aussi bien de me mettre en peau comme une mandragore. J'arrêterai jamais de crier. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. Pas mal. Pour quelqu'un de Gryffondor. Fais attention à toi. Je devrais informer Monsieur Wicks que c'est sa meilleure... Mijoter. Comment va notre spécialiste du test de balai? C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique! Votre balai a été performant? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège. Alors, il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Qu'allez-vous faire une fois l'amélioration terminée? Je compte bien faire de Beaubalais le magasin le plus prisé de Préolard. Et aussi, j'aimerais bien remonter sur un balai. Juste pour le plaisir. Je suis ravi des avancées de mes améliorations. J'ai donné tort à mes détracteurs. Le travail accompli en valait vraiment la peine. Je reviendrai bientôt vous voir, Monsieur Wicks. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Tant mieux pour Monsieur Wicks. Monsieur Wicks et moi-même. C'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!